Salut tout le monde, ça va bien? On est en ce 15 décembre au moment de l'enregistrement. Le Canadien a un gros zéro de victoire au mois de décembre. Ça va pas bien. Ça ne tentait pas de tourner le fer dans la plaie, ça ne tentait pas de rentrer dans le négativisme. Fait qu'on a changé un peu le cours. Aujourd'hui, on va avoir un épisode avec un invité qui va nous enseigner. Ça va être un éducateur. Il va venir nous parler de quelque chose que, habituellement, moi, Pat et... Ah, c'est pas Jeff. Attends. Jeff est rendu arménien. Jeff est rendu avec un teint basané, une barbe et la totale. On a Mike avec nous, Mike Nahabedian. Mike du Twitter handle... Hunter of commercial Hunter of Stats. Stats. Aujourd'hui, pourquoi on a Mike? C'est parce qu'on veut parler de stats avancées. Pourquoi les stats avancées? On a eu Jeff Gorton qui était embauché VP exécutif des Hockey Ops là, chez Canadiens. Puis on veut s'assurer, il a parlé à son point de presse initial que les stats avancées vont faire partie intégrante des Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y a une communauté travaille avec les stats avancées qui étaient hyper contents d'entendre ça, que ce n'est pas quelque chose qui était rejeté complètement, parce qu'on le sait, Bergevin, il était de l'ancienne garde. Fait que, nous autres, on s'est viré sur un discerne, puis on a décidé d'inviter quelqu'un qui va nous parler de stats avancées, qui va nous donner un cours 101, puis en espérant qu'il y a des cours 102, 103, puis qu'on va pouvoir s'améliorer, avancer là-dedans. Mais Mike, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir Salut invité. Mike. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment cool de t'avoir. Fait que, Mike, on va sauter dans le vif du sujet tout de suite. Je pense qu'on ne doit pas tourner autour du pot. Toi, Toi, ça t'es-tu fait bon, longtemps? Victor Mété? C'est sûr que ça s'en allait là. Non, vas-y, Matt, je Ouais, m'excuse, c'était une joke. ben non, vas-y. Il était-tu bon, Victor Mété? Ouais, mais Victor Mété, il a des statistiques avancées qui sont très intéressantes au niveau de son output de jeu. Donc, quand on regarde des statistiques qui sont compilé au niveau de la Ligue nationale avec les tirs au but et toutes ces statistiques-là qui sont basées sur les tirs au but, que ce soit au niveau de la quantité ou la qualité des tirs, c'est sûr que son output de tir était vraiment bon. Mais d'un autre côté, il y a le Victor Mété en zone défensive qui est un peu, pour qui c'est un peu plus difficile devant le net, par exemple. Donc, c'est sûr que au niveau du output des tirs, c'est un joueur très intéressant, mais quand on le met contre la compétition un peu plus féroce, quand on le met contre des joueurs qui sont meilleur et de la compétition un peu plus intense, je dirais que c'est là que ces statistiques avancées pourraient baisser aussi. Et à un certain niveau, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait considérer. Certains modèles publics considèrent ça, mais les modèles de base où on voit seulement le output des tirs dont je parlais au début, ils overvalue Mété pour ce qu'il est vraiment en tant que défenseur de la Ligue nationale. Ça reste que c'est un très bon joueur de transition, mais c'est sûr qu'il a des lacunes dans son jeu défensif, surtout devant le net, pour box out les joueurs adverses. Mike vient de nous expliquer pourquoi c'est lui qu'on invite, puis c'est pas juste quelqu'un du Metacult qu'on invite. C'est que c'est quelqu'un qui est capable d'être rationnel au travers du eye test qu'on appelle, puis des stats. Puis je pense qu'il va nous montrer comment quelqu'un qui n'est pas habitué d'utiliser les stats avancés peut avancer dans ce domaine-là, grandir, puis qu'on commence déjà à se tremper l'orteil là, sur les stats avancés, parce que je pense qu'on va en entendre parler un peu plus dans les prochains mois ou les prochaines années. Fait qu'on ne veut pas être ignorant quand ça va être ressorti, puis on veut commencer déjà à s'avancer là-dedans. Moi, je ne m'y connais pas. Pat, tu ne s'y connais pas. Fait que je pense qu'on est ton public cible pour vraiment apprendre sur ce volet-là qui est les stats avancés. Fait que, Mike, de un, toi, tu as étudié en quoi? D'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené à nous parler de stats aujourd'hui? Juste pour nous donner une idée, puis où tu les utilises concrètement dans ta carrière, ces stats-là? Oui, donc moi, j'ai commencé ma carrière dans le hockey avec l'équipe de McGill, l'équipe des filles de McGill. Là, ça fait 4 ans que je travaille avec l'équipe des filles de McGill. C'est ma 4e saison avec eux. Et je m'occupe de tout ce qui est analyse de données, analyse vidéo et recrutement à McGill. J'ai commencé en tant que tracker de time on ice. Puis ensuite de ça, au fil du temps, j'ai pris un peu plus de responsabilités avec les années. Et maintenant, je gère une équipe de 3 personnes à McGill. Donc, on a une petite équipe d'analyse de données, analyse vidéo. Et ça m'occupe au niveau hockey. Je travaille aussi avec quelques autres équipes. Deux équipes au Québec, en fait. Deux autres équipes au Québec avec Cégep Saint-Laurent. Leur équipe D1 et D2.
Et cette année, j'ai aussi commencé à travailler avec une équipe en Suède qui s'appelle OIK Hockey. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est analyse de données, analyse vidéo avec eux. Je me focalise plutôt sur le développement des joueuses en Suède, plus qu'au niveau tactique, alors qu'à McGill, je fais plus des choses tactiques, tout ce qui est analyse tactique de notre équipe, analyse tactique de l'autre équipe. Donc, alors qu'en Suède, je m'occupe plus du développement des joueuses. Donc, ça, c'est un peu mon background hockey. Moi, j'ai étudié en comptabilité et en analyse de données statistiques à l'université. J'ai fini l'université il y a un an, mon bac, puis j'ai fini ma maîtrise il y a quelques mois. Et là, vraiment, je travaille dans une firme de comptable et on the side, je fais mes jobs de hockey. Donc, c'est un peu mon background. Ce n'est pas un background statistique pur, mais ça m'a permis d'avoir un regard un peu différent sur les statistiques. Même si j'ai une base statistique, j'ai aussi un background plus business. Donc, ça me permet d'avoir un regard un peu différent que les statisticiens purs. Et c'est sûr qu'eux aussi, ils ont des très bons points à apporter, mais avoir des regards différents, ça aide à faire avancer la conversation. Donc, c'est super important d'avoir des gens de différents backgrounds dans la conversation. Merveilleux, merveilleux. Mais tu sais, je trouve ça le fun que c'est pas ton full-time job, c'est ton side hustle, puis que petit à petit, tu es en train de monter un petit programme qui est intéressant. As-tu envoyé ton CV à Jeff Gorton? Non, j'ai pas envoyé mon CV. Pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les stats avancées? Moi, je lis stats avancées, j'imagine des XGF pourcentage avec des shots en net, entry zone, dump in. Tu sais, j'ai toutes ces choses-là en tête là, qu'on entend. Je vois des graphiques avec des patinoires, du bleu, du rouge, des zones colorées, des zones pas colorées. Je vois les J-Fresh Hockey Cards, qui, les player cards là, que tout le monde parle, puis tout le monde ça. Puis, tous ceux qui dénigrent, tous ceux qui utilisent juste le high test. T'sais, je pense à toute la communauté des stats avancées qui ne vivent que par ça, que des fois, je me pose même la question, regardes-tu le hockey ou regardes-tu juste des hockey cards de Jay Fresh? Fait que tu sais, comment, où est-ce qu'on doit commencer pour bâtir notre vision par rapport aux stats avancées? Donc, la première chose, comme tu disais, c'est que il y a des gens qui regardent juste le high test, alors qu'il y a d'autres gens qui regardent juste les statistiques. Donc, la première chose à savoir, c'est que les statistiques avancées, c'est juste un outil pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Ça va te donner de l'information avec des modèles qui sont plus ou moins complexes, mais ça va te donner de l'information supplémentaire pour te permettre de prendre des décisions plus éclairées, des décisions avec plus d'informations. C'est sûr qu'il n'y a aucun modèle statistique qui est parfait, mais il y a certains modèles statistiques qui sont utiles. Et dépendamment de ce que tu veux faire avec ton modèle statistique, l'objectif de ces chiffres, c'est de te donner une meilleure idée, une idée quantitative, quelque chose qui est basé sur des faits, sur une beaucoup de faits, en fait. Parce que quand on regarde un match, c'est sûr qu'on ne va pas remarquer tous les petits détails. Donc, notre œil, notre cerveau va évidemment manquer certains petits détails. Et c'est normal, c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Absolument. Mais c'est là que les statistiques viennent combler un trou pour pouvoir te permettre d'avoir un grand sample size et te permettre de prendre des décisions éclairées sur un plus grand nombre de données, un plus grand nombre de points quantitatifs, pas juste de regarder le high test. Ceci étant dit, la chose qui est importante à se rappeler, c'est que ce n'est pas parfait, comme je disais. Donc, c'est toujours important d'aller retourner à la vidéo, d'aller retourner le high test, ou moi j'appelle ça l'analyse vidéo. Avec mes équipes, la façon dont je fonctionne, c'est que je construis mes modèles et après ça, une fois que j'ai mes résultats, je m'assure que les modèles matchent mon high test, matchent mon analyse vidéo pour m'assurer que je ne donne pas de la mauvaise information au coach, que ce soit au niveau tactique, au niveau du développement des joueurs. Donc, Toi-même, tu filtres ça d'une certaine façon au départ. Là. C'est-à-dire que quand tu vois une statistique avancée qui est là, qui est claire dans tes chiffres, mais qu'elle ne se transmet pas sur la glace, tu es le premier à reconnaître que ce n'est pas pertinent nécessairement d'apporter ça au coach comme si c'était une information qui devait nécessairement dicter ses décisions, right? Oui, il y a différentes façons d'amener ça à des coachs aussi. Et c'est important de prendre toutes les stats dans le contexte dans lequel elles sont ancrées. Parce que, par exemple,
un exemple avec les zone exits. Mathieu, tu parlais de zone entries, mais je parlais de zone exits. C'est donc, parfait. On a une joueuse dans une de mes équipes, je ne mentionnerai pas laquelle, qui a beaucoup de qui est très efficace sur ses zone exits. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de volume de zone exit. Donc, même si elle a comme 80% de réussite sur ses zones exit à elle, ce qui se passe généralement, c'est qu'elle fait juste redonner la rondelle à l'autre joueuse quand elle se trouve dans le trouble. Donc, elle fait juste passer la rondelle à l'autre. Donc, si tu regardes juste le pourcentage d'efficacité sur ses zones exit, tu dirais « Oh, c'est la meilleure joueuse de l'équipe. » Mais quand tu links ça à la vidéo et que tu réalises qu'à chaque fois qu'elle est dans le trouble, elle fait juste donner la rondelle à l'autre joueuse et dire « Ok, la puck, c'est ton problème maintenant. » C'est là qu'on réalise que cette statistique-là, dans ce contexte précis, c'est peut-être pas indicatif de la vraie contribution de cette joueuse dans cette facette du jeu. Donc, à un certain niveau, c'est important de prendre toutes les statistiques dans leur contexte dans lequel elles sont ancrées, puis d'amener ça au coach d'une façon... pas prendre des statistiques hors contexte et pas prendre des statistiques qui font juste appuyer ta propre opinion ou appuyer leur propre opinion. Donc, avoir une discussion sur ça, c'est vraiment important. Fait qu'autrement dit, pour ces joueurs-là en particulier, dans le fond, ces zones exit se traduisent pas nécessairement par des zones entry de l'autre côté régulièrement. C'est ça, dans le fond? Exactement. Ouais. Ou généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle passe la rondelle à l'autre joueuse. Puis, l'autre joueuse, elle est dans le trouble parce qu'elle reçoit une bad puck. Et il y a une failed exit, mais la failed exit est attribuée à la joueuse. À l'autre fille, mais dans le fond, c'est elle qui l'a mis dans le trouble. Parfait. C'est ça. Donc, OK, c'est la série d'événements et non pas juste l'événement isolé qui doit être analysé en tant que tel. C'est ça. Et comme quand j'avais commencé à track les zone exits, j'attribuais ça à la joueuse 2, celle qui reçoit la rondelle. Mais maintenant, de plus en plus, quand je fais mes statistiques, j'attribue ça à la joueuse 1, même si c'est la joueuse 2 qui était à l'origine de la failed exit. J'attribue ça à la joueuse 1 qui a mis l'autre. Il l'a mis dans le trouble, dans le fond. C'est ça. Pour que ça affecte la bonne statistique et non pas juste celui qui avait la puck là, au moment du coup. Là. C'est ça. Mais ça, c'était juste. Oui, c'est ça. C'est juste un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que c'est tout un processus d'analyse et de la première chose, c'est de récupérer les données, de tracker les données. Donc, c'est tout un processus à travers ça pour pouvoir s'assurer d'éviter on appelle ça le garbage in, garbage out, d'éviter des mauvaises données qui rentrent dans ton modèle. Parce que si tu as des mauvaises données qui rentrent dans ton modèle, c'est sûr qu'il y a des mauvais outputs qui vont sortir, des choses qui ne représentent pas la réalité. Et pas pour écorcher la Ligue nationale, mais leur play-by-play, qui est officiellement tracké, il n'est pas parfait non plus. Et il y a tellement de variations entre les différents arénas. C'est sûr que les statisticiens, ils trouvent des moyens de contourner ça avec des modèles, mais à un certain niveau, il y a un certain aspect, il y a un certain pourcentage des erreurs qui peuvent juste pas être corrigées. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder ça, avec un grain de sel et juste comprendre le contexte dans lequel les statistiques sont trackées. Okay. Dirais-tu à la limite que c'est peut-être une des plus grandes failles des hardcore analytic crowd de tout prendre l'information plutôt que de la filtrer correctement, un peu comme qu'est-ce que tu dis là? Oui, une des plus grandes failles dans le sens où je dirais que ils sont, comme tu disais au début, c'est un peu trop ancré sur les chiffres. C'est sûr que les modèles statistiques de Micah Blake McCurdy, de Evolving Wild, Patrick Bacon, ils sont très solides au niveau de leur façon d'être construits. Ils sont très solides au niveau de la façon dont ces modèles sont bâtis. Et c'est du travail incroyable qu'ils font, surtout avec le peu de données qui est disponible au niveau du hockey comparé à d'autres sports. Les modèles que ces gens-là sont capables de bâtir sont vraiment impressionnants dans le sens où en termes de méthodologie statistique, c'est très robuste. Ceci étant dit, c'est sûr que ces modèles-là ne sont pas parfaits parce qu'il y a certains pitfalls, il y a certains aspects contextuels qui sont pas aussi facilement calculables ou considérables que les gens pensent. Donc, ça donne des modèles qui sont imparfaits et
avec les données qui sont disponibles publiquement, c'est difficile de faire des modèles parfaits. C'est impossible de faire des modèles parfaits, mais c'est encore plus difficile de le faire avec les données qui sont publiquement disponibles. Mais leur modèle, avec tous les gens que j'ai nommés et bien d'autres, sont très, très robustes d'une façon méthodologique statistiquement. Tu as dit quelque chose qui m'a titillé parce que dans le fond, c'est une opinion que moi j'ai. Peut-être tu pourras peut-être m'illuminer là-dessus parce que là, c'est peut-être erroné un peu de ma part, mais j'ai l'impression que les statistiques avancées sont peut-être plus viables dans d'autres sports que dans le hockey où il y a beaucoup plus d'impondérables et beaucoup plus de randomness sur la glace. Où est-ce qu'un mauvais bond au hockey, ça n'arrive pas au baseball, ça n'arrive pas au football, il n'y a pas de braquettes de métal entre les baies vitrées qui font dévier la rondelle d'une façon imprévisible. Et à cause de ça, j'ai l'impression que le hockey, c'est plus un sport imprévisible que d'autres sports comme le baseball, justement. Est-ce que toi, par rapport aux autres sports, tu trouves que peut-être les statistiques avancées sont pas, je vais pas dire pas fiable, mais moins viable un peu que par exemple au baseball où ce qu'on sait, c'est la Bible. Oui, d'une certaine façon, c'est sûr que c'est un sport imprévisible, le hockey. Ceci étant dit, les statisticiens, de mon côté, ce que j'essaie de contrôler, c'est les choses que je suis capable de contrôler. C'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler. Et surtout quand on est statisticien, quand le match commence, on n'a aucun contrôle sur le match. Donc, les choses qu'on essaie de contrôler dans nos modèles, c'est de calculer des sortes de moyennes, des sortes de choses de moyennes sur le long terme, en gros. Donc, les statistiques pour un match, c'est sûr qu'il y a tellement de variations dans le hockey que ce n'est pas parfait. C'est pour ça que quand on construit des modèles statistiques avec les équipes, on ne regarde pas juste un match, on regarde une multitude de matchs. Par exemple, on regarde des séquences de 7, 8, 9, 10 matchs, on regarde des saisons de 36 à 82 matchs. Donc, c'est ça qui va te donner une idée parce que même s'il y a toutes ces petites variations-là, au fur et à mesure du long run, ça va revenir vers la moyenne. Et ça, c'est une loi mathématique. La loi des grands nombres, c'est que tout va revenir vers la moyenne à un moment donné. Donc, une fois que tu as ton sample de 82 matchs, c'est sûr que ça te donne une meilleure idée parce que toutes ces variations-là, elles se détruisent elles-mêmes, elles se cancel out elles-mêmes. Donc, à la fin, ça te donne des modèles qui sont assez robustes. Et comme je disais, les gens qui font des modèles publics de contribution de différents joueurs, c'est très robuste au fur et à mesure qu'ils ont plus de samples. Et avec leur méthodologie statistique, ça devient encore plus robuste. Donc, au final, c'est vraiment d'avoir un contexte pour les stats. Et pas juste regarder match par match parce qu'il y a tellement de variations, comme tu disais, que c'est pas super, super utile de match par match, mais sur le long sample, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Parfait. Quelqu'un comme moi là, qui veut commencer à regarder des données analytiques, qui veut commencer à regarder qu'est-ce qui est quoi. Tu sais, Corsi, XGF, entrée de zone, sortie de zone, comme tu parles. Est-ce que tu peux m'en donner quelques-unes qui vont au moins m'introduire dans ce domaine-là puis qui ne seront pas trop difficiles à comprendre et assimiler quand je regarde une partie? Oui, donc tu as parlé de Corsi. Je pense que c'est un bon endroit où... Longtemps qu'on entend parler de Corsi, puis... Ouais. C'est le premier là, qui me vient en tête. Oui, Corsi. D'abord, est-ce que tu peux peut-être expliquer en détail c'est quoi Corsi? Oui, donc le Corsi. C'est peut-être un bon starting point. Le Corsi, ça vient. Le nom vient d'un ancien gardien de but de la Ligue nationale. Il s'appelle Jim Corsi, mais il n'a rien à voir avec cette statistique-là. Mais son nom vient de lui quand même? Son nom vient de lui. Wow. Il n'a rien à voir avec cette statistique-là. C'est juste un gars, il s'est réveillé un matin, il a dit: OK, moi, je vais appeler. Je viens de bâtir une stat, je vais l'appeler Corsi. C'est comme c'est si... c'est random. Ouais, et là, tout le monde a juste dit OK, ben parfait, on va utiliser ça. Mais donc, c'est comme si j'arrivais, wow, je bâtissais une stat demain matin et je disais OK, moi, je vais l'appeler Luongo. Et là, tout le monde dit OK, nice. Ben cette stat, on va l'appeler Luongo. Et là, tout le monde va utiliser ça. Mais, nice. Mais donc, Corsi, pour introduire le Corsi, en fait, c'est un proxy pour calculer la possession de la rondelle. Donc, pour commencer, le high-level Corsi, c'est regarder le Corsi de l'équipe. C'est donc à chaque fois que tu prends un tir vers le filet, que ce soit un tir bloqué, un tir raté, un tir sur le net ou un but, donc c'est ces quatre types de tirs, ça va te donner plus un à ton équipe. À chaque fois que tu
accorde un tir vers le net, que ce soit un tir bloqué, un tir manqué, un tir sur le but ou un but contre, ça va faire moins 1. Et donc, à la fin du match, tu as tous ces plus, et plus 1 et moins 1, et tu fais la somme de tout ça, puis ça va te donner ton Corsi avec un chiffre qui soit positif, soit négatif. C'est juste à partir des tirs. C'est juste à partir des tirs. Simplement les tirs. Vers le tir, vers le filet. Donc, ça c'est la base du Corsi. Ensuite de ça, on peut regarder le Corsi pour les différents joueurs. Ce qui est intéressant pour le Corsi avec les différents joueurs, c'est que ça calcule la possession de la rondelle quand le joueur est sur la glace pour une équipe. Donc, dans ce cas-là, on va dire que Jeff Petrie est sur la glace et à chaque fois qu'il y a un tir de son équipe, moins cette année, probablement moins un, dans le passé, il était assez bon. Donc, ouais, j'en doute pas. À chaque fois qu'il y a un tir vers le filet de son équipe, qui est lancé par son équipe, donc par le Canadien, c'est plus un pour lui. Et à chaque fois qu'il y a un tir contre le filet du Canadien, c'est moins un pour lui. Donc ensuite de ça, on fait la somme de tout ça et ça te donne un chiffre à la fin, qu'il soit dans le plus ou le moins. On peut aussi calculer ça par pourcentage et c'est comme ça que c'est souvent calculé. En gros, c'est la somme de tous les plus sur la somme de tous les tirs auxquels tu étais, pour lesquels tu étais présent, qu'ils soient positifs. Plus ou moins. Donc, par exemple, si tu as un Corsi percentage qui est au-dessus de 50%, ça veut dire que tu as eu une bonne game. C'est sûr qu'une game, ce n'est pas vraiment révélateur de grand-chose, mais dans ce cas-là, pour une game, pour notre exemple, c'est ça, tu as eu une bonne game, et si tu as moins de 50%, tu as eu une mauvaise game. Pour notre exemple. Ça veut dire que pour avoir un différentiel de 50%, il faudrait que tu aies fait le double d'opportunités contre le double d'opportunités contre toi. C'est à peu près ça? Il faut que tu aies fait le même nombre de Corsi for et de Corsi against. Il faut que tu aies le même nombre de plus 1. OK, carrément. Je pensais... Ouais. OK, parfait. Non, parce que c'est... C'est 50%, pas plus 50%, mon erreur. Non, c'est 50%. C'est 50% de tous les tirs. De tous les tirs. Parfait. Donc, ça serait comme un flat zéro, finalement. Là. C'est ça. Even out. Okay. C'est ça. Et généralement, sur le long terme, les équipes qui ont plus de 50% de Corsi, et ensuite on rentrera dans le expected goals, mais plus de ça, dans le fond, c'est la grosse tasse qui nous a donné du trouble à Montréal dans les 3-4 dernières saisons où est-ce qu'on dominait complètement, même dans les games qu'on perdait, right? Oui, en gros, c'est ça. OK, en gros, parfait. C'est ça. Mais sur le long terme, ça veut dire que tu vas être capable d'avoir du succès parce que c'est assez prédictif des buts futurs et de ta capacité de dominer la possession et de marquer des buts dans le futur. C'est vrai. Si tu as plus de tirs, tes chances sont plus là. Fait qu'un Corsi... Mettons, tu as plusieurs gars comme Lekkonen qui manquent beaucoup le filet. Ça ne vient pas fausser un peu la donnée? Oui, à ce moment-là, tu dois regarder d'autres stats comme la finition des joueurs. C'est sûr qu'il y a d'autres stats qui te mettent dans un contexte différent. Mais c'est sûr qu'à un certain niveau, différents joueurs ont un niveau différent de talent aussi. C'est sûr que Ovechkin et Lekkonen, c'est pas les mêmes joueurs. La valeur d'un tir est un peu différente entre un et l'autre, mettons. On va dire ça comme ça. Oui, statistiquement, pas vraiment, mais. Par exemple, si tu mets Ovechkin dans son spot dans le power play et tu mets Lekkonen sur le même spot, peut-être de l'autre côté sur le power play, c'est sûr que ça ne donnera pas les mêmes résultats au niveau actuel. Mais statistiquement parlant, le joueur, et on rentrera dans le XG dans quelques minutes si vous voulez, pour être plus en détail, mais ça n'a pas tant d'impact. Les modèles passés ont montré que au niveau de la variation, ce n'est pas aussi significatif que les gens croient, même si au niveau des stats de finition, les joueurs ont différentes valeurs, c'est sûr qu'au niveau de la contribution des tirs, la contribution du expected goal, c'est pas la même chose. OK. Ah, intéressant. OK. Parfait. Next. Je pense que pour le Corsi, ça fait le tour. Oui. On peut rentrer dans le expected goal puisqu'on parlait de ça. Ouais. Si vous voulez. Parfait. Mais explique, attends, ceux qui me viennent en tête, ça, le Corsi,
le expected goal for, expected goal against, puis le WAR qu'on voit beaucoup. Oui, oui, c'est un peu plus compliqué le WAR par contre. Oui, bon. La deuxième étape, c'est l'expected goals. Donc, OK, parfait. Bon, go. Le Corsi, c'est la première étape. C'est juste plus un, moins un. Là, l'expected goal, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on rentre un peu plus dans les maths, un peu plus poussé. C'est pas super compliqué, mais ça reste assez, assez high level quand même au niveau des maths. C'est pas aussi compliqué que le WAR. Donc, au niveau des expected goals, la chose la plus importante à retenir, c'est que ça calcule la qualité des tirs. La qualité des tirs, ça veut dire la probabilité que chaque tir soit un but. Et encore une fois, c'est les quatre types de tirs que j'ai nommés. Donc, ça, dans le fond, c'est une ligne directrice à travers toutes les stats avancées. Quand on parle, ça, on va toujours prendre en compte les tirs non cadrés aussi, finalement. Oui, oui. Ben, dans les stats avancées qui sont basées sur les tirs, oui. Okay, et parfait. La majorité des stats publics sont basées sur ça, puisqu'il y a juste ça comme données publiques pour tous les matchs de la Ligue nationale. Okay. Mais en gros, c'est les gens bâtissent un modèle statique pour prédire la probabilité que chaque tir soit un but. Et ce modèle-là est bâti sur la distance des tirs par rapport au net et l'angle du tir par rapport au net. Il y a d'autres gens qui incluent des facteurs qui sont beaucoup plus compliqués, comme il y avait combien de joueurs devant le net, est-ce qu'il y avait un joueur devant le net, est-ce qu'il y a eu un rebound, est-ce qu'il y a eu une entrée contrôlée. Et c'est sûr que ces facteurs-là ils permettent d'être beaucoup plus précis sur ton XG, mais à la fin de la journée, ce qui est intéressant, c'est que ta distance par rapport au net puis ton angle, c'est les deux choses qui impactent le plus ou deux des choses qui impactent le plus ton expected goals. La distance par rapport au net, c'est de loin la chose qui impacte le plus et l'angle, ça te permet d'être un peu plus précis. Donc ensuite de ça, tu cumules tout ça pour une équipe, ça te donne ton expected goals pour tous les tirs de cette équipe. Tous les tirs contre cette équipe, c'est ton expected goals against. Puis tu fais un différentiel comme le Corsi, mais à la place de faire plus 1.1, c'est comme plus 1%, plus 2%, plus 3%, moins 15%, etc., etc. Puis, ça te donne un différentiel. Tu peux faire la même chose et aller le chercher en pourcentage aussi. Et même chose que pour le Corsi, pour les différents joueurs. La chose qui est intéressante, c'est que tu peux regarder le expected goals for et le expected goals against quand un joueur est sur la glace. Et on y arrivera, mais ça, c'est la base du WAR, en gros. La base du WAR, c'est exactement ça. C'est ton expected goals differential, ton expected goal share pour les différents joueurs quand il est sur la glace. Fait que tu veux te rapprocher du 100%, si je comprends bien. Oui, c'est très rare qu'une équipe ait 100%. Je pense que le plus haut total que j'ai vu dans ma carrière, c'est un 96% de Corsi. C'était un match Islande-Slovaquie. Ou non, désolé, Islande-Croatie. Et l'Islande avait dominé le Corsi 96-4%. Et dans la Ligue nationale, ça n'arrive pas parce que toutes les équipes sont relativement... De la parité, dans le fond. Ouais. C'est ça. Mais quand tu regardes des matchs internationaux, ça peut monter vite, le Corsi et le expected goal. Ah, des games comme Canada contre la Chine. Ouais, ça va être proche de 90% là, cette année. Si ça a lieu, hein, si ça a lieu. On parlera des Olympiques sur le bateau. OK, c'est cool. Vraiment cool. Puis le expected goal again, c'est le pourcentage inversé, si je comprends bien. C'est tous les tirs qui sont contre vers toi. Ben, essentiellement, ton expected goal for et le expected goal against de l'équipe adverse, essentiellement. Ouais, c'est ça. C'est la même stats, mais ça dépend d'où tu es assis. D'où tu es placé. Excellent. Ouais, exactement. Fait qu'à la fois, là, on a une bonne idée du expected goal against, puis four. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on essaie quand même un petit survol du WAR? Je vais garder ça. Je vais essayer de garder ça un peu high level parce que les modèles de WAR sont assez compliqués à bâtir. Moi, je commence à bâtir mon premier modèle de WAR dernièrement et c'est un processus qui est assez long parce que il y a beaucoup de manipulations de données, il y a beaucoup de choses à s'assurer que juste tes données sont correctement nettoyées pour être capable de bâtir ton modèle. C'est ce que tu me disais un peu au début, finalement, que, mettons, là, la joueuse en question qui fait souvent des zones exit, mais que ça donne souvent rien, puis ça vaut pour un retour dans sa zone sur l'autre joueuse. Fait que dans le fond, c'est le genre d'informations que tu essaies de filtrer quand tu construis ton WAR. Pas nécessairement, mais c'est juste parce que moi, présentement, j'ai les informations au niveau
du match. J'ai tout le play-by-play au niveau du match. Et la première chose à savoir du work, c'est que c'est une statistique qui se calcule shift par shift. Donc, la première étape dans un modèle de work ou dans un modèle de work qui est assez robuste comme celui d'Evolving Wild, c'est qu'ils construisent une base de données avec tous les chiffres de tous les joueurs de la Ligue nationale. Donc, ça te permet d'avoir beaucoup de données sur différents joueurs. Au lieu d'avoir comme 82 observations sur différents joueurs, tu vas peut-être avoir, je dis un chiffre au hasard, là, 1500 observations sur un joueur. Et ça te permet d'avoir une meilleure idée de la contribution du joueur. Donc, ça, c'est comment bâtir un modèle, mais je ne rentrerai pas dans ça parce que je peux en parler longtemps et de toute façon, c'est rapidement dans les détails, mais... C'est plus que ce qu'on comprendrait de toute façon. Concrètement, quand je vois le joueur ou l'équipe a un WAR, qu'est-ce que je comprends de cette stat-là? Puis qu'est-ce que je dois en déduire? Oui, donc le WAR, c'est un catch-all. Excuse-moi, c'était bien posé. Oui, c'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. Le WAR, c'est une catch-all metric. Ça te permet de calculer la contribution d'un joueur à son équipe en une valeur. Donc, ton WAR, ce qui est vraiment bon du WAR et que beaucoup de gens aiment, c'est qu'au lieu de regarder 15 différentes stats, tu vas regarder une stat et ça va te dire à quel point ce joueur est bon overall. Donc, par exemple, si tu regardes le jeu NHL, ce serait l'overall du joueur, finalement. Là. C'est ça, exactement. Ce serait l'overall statistique du joueur. C'est sûr que les modèles publics de WAR sont un peu moins robustes que certains modèles qui sont avec les équipes qui ont plus de données avec le data tracking, là, avec la chip dans les pocs et la chip sur les chandails. Mais les modèles publics sont quand même assez très robustes avec toute leur méthodologie et toute la façon dont ils sont bâtis. Mais c'est basé sur les tirs au but. Donc, cette catch-all metric-là, ça te permet vraiment d'évaluer la contribution du joueur de toutes ces facettes du jeu combinées ensemble. Puis ensuite, tu peux break down ça par ces différentes façons, par ces différentes facettes de jeu-là. Tu peux break down ça par even strength offense, even strength defense, power play, penalty kill, etc., etc. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force du WAR, que ce soit au niveau public ou au niveau interne avec les équipes, c'est que quand tu vois ton coach, quand tu es un journaliste, tu peux arriver et dire ce joueur-là, il a cette valeur-là. Mais comme on disait avant, c'est super important de toujours ramener ça à un contexte. Et les modèles de WAR, ils sont tellement robustes, ceux qui sont publiquement disponibles, les bons modèles de WAR, parce qu'ils considèrent pas juste ta contribution, mais ils considèrent les joueurs avec lesquels tu joues, ils considèrent les joueurs contre lesquels tu joues et plein d'autres facteurs qui vont permettre à ces modèles-là de donner une approximation assez précise de la vraie valeur d'un joueur. Donc, J'aime ça ce que tu dis parce que ça vient peut-être un peu plus séduire les plus classiques, oui. ceux qui sont plus sur le high test, parce que justement, souvent, tu vas me sortir la statistique d'un joueur, puis le gars, il joue sur un quatrième trio avec une opposition faible, puis t'es comme, come on, man, il joue contre des chadrons, là, c'est sûr qu'il paraît mieux. Fait que dans le fond, ça, dans ton WAR, ça serait pour les banques de données qui prennent en considération l'opposition qu'il y avait sur la glace, au moins, ça vient plus solidifier. Pour quelqu'un comme moi, en tout cas, là, ça me rassure plus de savoir que c'est pris en considération. L'opposition. Oui, ouais, c'est sûr que c'est un facteur très important parce que c'est sûr que si tu joues contre Austin Matthews et Mitch Marner tous les soirs par rapport à jouer contre Ryan Reeves, c'est pas la même chose. Donc, c'est clair. C'est pas le même niveau de talent, surtout quand tu es un défenseur. C'est sûr que jouer contre certains des meilleurs joueurs au monde, c'est plus difficile que de jouer contre un gars de quatrième trio qui fait juste plaquer tout le monde. Pendant tous ces shifts. Donc, c'est sûr que c'est pris en compte et c'est quelque chose d'important aussi dans la méthodologie. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est quelque chose que les gens ont commencé à prendre en compte. Et à chaque itération de développement et à chaque nouveau modèle de WAR, chaque statisticien arrive avec sa différente façon de construire son modèle, sa différente façon d'évaluer tous ces aspects-là. Et c'est comme ça que les statistiques évoluent. Il n'y a même pas nécessairement un standard égal partout sur comment on mesure une certaine statistique. Chaque statisticien, chaque amateur de statistiques avancées qui construit sa propre chose va un peu l'interpréter à sa façon, finalement.
Oui et non, parce qu'il y a certaines. C'est sûr que les modèles statistiques ont certaines règles à suivre. C'est sûr qu'il y a différents types de modèles statistiques. Il y a différents types de modèles statistiques qui vont de trucs très simples à des trucs beaucoup plus complexes. Ceci étant dit, il y a une certaine base et sur Hockey Graphs, qui est le site, qui est un des sites d'analyse de données statistiques sur lesquels les statisticiens publics publient leurs recherches. Il y a trois très bons articles sur le WAR et je pense que la majorité des statisticiens bâtissent leur modèle sur ce qui a été fait dans le passé. C'est sûr qu'ils modifient certaines petites choses par rapport à leur vision et c'est ça qui fait la beauté de la recherche publique, c'est que à chaque fois que tu ajoutes un petit truc et c'est comme ça que les modèles évoluent, mais il y a une certaine base que tout le monde suit. Donc, c'est sûr que c'est pas totalement différent, mais il y a des petites variations modèle par modèle. C'est pour ça que, par exemple, si tu regardes le expected goals de différents matchs avec différents modèles, ça peut être totalement différent parce qu'ils ont des méthodologies différentes. Donc, c'est ça qui est intéressant au niveau des statistiques et c'est ça qui est important de faire avancer la recherche, tant au niveau public qu'au niveau des équipes. Nice. Excellent, c'est vraiment cool. Là, moi, je me promène sur Twitter principalement, puis tu sais, il y en a qui sont des tapes à l'œil comme graphique, comme image avec des couleurs, puis tout ça. Tu sais, j'en ai deux qui me viennent en tête. Il y en a un qui travaille beaucoup avec les stats des Canadiens. Il y a Wave Intel que moi j'aime beaucoup, qui utilise des chiffres et qui va analyser beaucoup chez le Canadien. Puis il y en a qui sont plus général à la Ligue nationale, du style de Jay Fresh Hockey que j'ai parlé un peu plus tôt, qui, lui, avec des beaux graphiques de la couleur aussi, tu sais, qui va nous mettre ça très visuel. Qui en passant, t'avait donné un gros félicitation à un moment donné sur Twitter. J'avais bien aimé. Il a montré à quel point, tu sais, faites pas juste analyser les stats, montrez votre travail, puis tu l'avais fait, puis good job de ce travail, de ce volet-là. Mais tu sais, lui est très connu sur les médias sociaux, en tout cas sur Twitter. Fait que, tu sais, quand on voit ces graphiques-là, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit. T'sais, tu regardes un graphique, là, ouf, ça, là, il faut que ça soit une information que tu captes et que tu gardes en tête, versus d'autres que, ouf, ça, c'est pas beaucoup, c'est pas mieux, là. T'sais, ça, c'est. Fais attention quand tu vois ça. Ben, dans ces deux cas-là, donc, on va commencer par Wave Intel, donc Jason. Jason, ce que j'aime beaucoup de son travail, c'est que c'est très détaillé. Il y a beaucoup de détails dans ses graphiques. C'est très beau aussi visuellement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important quand on fait des stats, que ce soit au niveau public ou même au niveau à l'interne avec mes équipes. Je m'assure que mes graphes soient comme beaux. Parce que si tu peux avoir le meilleur modèle au monde, si tu fais un graphe qui est vraiment pas esthétiquement pleasing, ton coach va pas nécessairement passer le même temps à regarder ça que si tu fais un graphe qui est beau. Tu peux avoir un très, très beau modèle, un très, très bon modèle, mais si ton graphe est vraiment mal fait, ton coach va dire, oh, c'est très intéressant, mais ensuite, il va juste comme passer à autre chose. Donc, ça fait partie de l'aspect de la communication des stats qui est très important. C'est sûr qu'il y a la communication orale la façon d'approcher ton analyse qui est importante au niveau du coaching staff à l'interne, mais aussi de la façon dont tu montes tes graphiques, c'est très important. Et dans ces deux cas-là, Wave Intel et Jay Fresh, ils sont très beaux, leurs graphiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très bon. Pour revenir aux détails de Wave Intel, ce qui est important de regarder dans les graphes de Wave Intel, c'est que moi, je regarde certains détails. C'est sûr que j'analyse pas, je regarde pas toutes les stats, mais je regarde vraiment s'il y a des grosses différences entre les deux équipes. J'ai pas d'exemple concret juste comme ça, mais si par exemple, pour une stat, il y a une grosse différence de expected goals differential, j'essaierai ensuite d'aller regarder pourquoi il y a cette grosse différence. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des joueurs qui sont un peu moins. Qui produisent moins de qualité de tir? Est-ce que c'est autre chose qui impacte ça? Donc, pour les graphes de Jason, je dirais, de Wave Intel, c'est vraiment ces différences-là que j'essaie d'analyser. Pour les graphes de Jay Fresh, qui sont très, très beaux visuellement aussi, ce qui est super intéressant à analyser, c'est vraiment de regarder le WAR du joueur, de regarder comment il a évolué dans le temps, et aussi de regarder les petits détails, encore une fois. Est-ce qu'il y a des aspects de son jeu qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce que c'est un joueur qui est plus offensif? Est-ce que c'est un joueur qui est plus défensif? Et le WAR, comme je disais, va te donner une idée générale du joueur. Mais ensuite de ça, tu vas avoir les petits détails qui vont te donner vraiment est-ce que ce joueur est plus axé sur l'offensive? Est-ce qu'il est plus axé sur la défensive?
etc., etc. Et ce qui est intéressant des modèles de Jay Fresh, c'est qu'il montre son évolution de WAR sur 3 ans, quelque chose comme ça. Et le WAR, c'est une statistique qui est ancrée dans le temps. C'est un WAR de X aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir un WAR de X plus 1 demain ou de X plus 2 demain. Tu pourrais peut-être avoir un WAR de X moins 1 la saison prochaine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution des joueurs et c'est quelque chose à garder en considération quand on analyse le WAR. C'est une statistique qui est ancrée dans le temps et pas, c'est pas vraiment pour le WAR pur, c'est pas vraiment une prédiction. C'est sûr qu'il y a d'autres choses comme le projected WAR, mais ouais. On rentrera pas dans. C'est pour ça qu'un gars comme Joel Edmondson, quand il est arrivé avec le Canadien, il était détruit par la société des analytiques, mais que quand il a fait ses chiffres chez nous, on a vu que dans le temps précis, ben, ça allait améliorer et que c'est devenu quelqu'un de plus reliable chez le Canadien. Exactement. Parce qu'on est king. Oui, ouais, c'est ça. il avait un bon plus-minus, mais oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Je pourrais pas mieux le résumer. C'est exactement ça. Il n'était pas très bon quand il est arrivé. Je pense qu'il est arrivé de la Caroline, si je ne me trompe pas. Et il est arrivé dans le giron du Canadien, puis il a eu. Une très très bonne année statistiquement parlant avec Jeff Petrie. C'était une très bonne paire d'ailleurs. Finalement, les gens ont commencé à l'aimer. Les statisticiens ont commencé à l'aimer. Et les gens du high test ont commencé à l'aimer. Moi, je parlais à un coach. Il me disait, I feel good when I have Joel Edmondson on the ice. Comme s'il coachait Joel Edmondson, c'était un coach universitaire qui me disait, I would feel good if I had Joel Edmondson on the ice. Et c'était pas un gars de statistique, pas pantoute. Donc, Mais moi, je me rappelais de ses années à Saint-Louis, puis j'étais comme, puis je connaissais pas ses années en Caroline. Fait que, pour moi, j'étais comme, les séries à Saint-Louis, il me semble qu'il était bon, il me semble qu'il était solide, puis qu'il bloquait, il frappait, puis tout ça. Fait que, moi, c'était ça mon analyse, puis c'était mon high test. Fait que c'est pour ça que quand les analytiques sont arrivés avec les stages, j'étais comme, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il est si détesté? Fait que c'était intéressant de dire que le WAR, c'est ancré dans le temps. Fait que tu peux avoir un bon une année, une mauvaise une année, puis tu reviens sur le bon côté aussi. Là, c'est pas quelque chose qui te définit. C'est pour toutes les stats, là, si je comprends bien. Non, c'est ça. Certaines stats sont plus prédictives que d'autres. Donc, le projected WAR, c'est quelque chose qui te projette dans le temps. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui essaie de prédire ce que tu vas être dans le futur. Mais le WAR pur, de la façon dont on le calcule à sa nature, c'est ancré dans le temps. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à considérer. C'est quelque chose qu'il faut. Ça fait partie du contexte aussi du WAR, dans le sens où c'est pas quelque chose que tu projettes dans le temps. C'est sûr que ça te dit qu'il est bon ou non aujourd'hui, mais il faut que tu regardes à d'autres choses comme le projected WAR ou d'autres statistiques qui te projettent dans le temps pour te permettre d'analyser si le joueur va être bon dans 2, 3, 4, 5 ans. Pour regarder l'exemple actuel, est-ce que le projected WAR d'Edmondson était bon quand il était en Caroline? Ah, je pourrais pas. Je pourrais répondre à ça. Je ne me rappelle pas de ça. Je voudrais dire non parce que les gens dunkaient pas mal Edmondson quand ils l'ont signé, mais je ne pourrais pas dire précisément. Okay. Donc, don't quote me on that. Parfait. Ouais. Okay. Si on regarde maintenant, as-tu d'autres ressources que tu pourrais nous dire rapidement? Que ça, tu dis, la qualité des graphiques pour quelqu'un qui commence, c'est quelque chose de visuel, facile à utiliser, puis qui pourrait être un bon outil pour tous ceux qui vont commencer à s'intéresser aux stats avancées avec la nouvelle philosophie des Canadiens. J'avoue que j'ai un gars comme Jason Paul, là, il fait vraiment des affaires intéressantes à regarder, c'est pas désagréable. Moi aussi, j'en aime beaucoup. Puis depuis longtemps, moi, c'est un de ceux que depuis le début, je respecte parce qu'il n'a jamais été agressif dans ses commentaires puis dans sa façon d'interagir avec le monde. C'est pas religieux. Il nous présentait ce qu'il faisait. Puis un peu comme toi, Mike, pour moi, c'était quelque chose de facile à inviter sur le pod, mais il y en a beaucoup, c'était le contraire complètement. Puis il y en a qui se sont rendus loin, là, qu'il y en a que. Puis j'ai même pas le goût de les nommer, mais il y en a qui ont fait du RDS, il y en a qui ont fait des émissions, puis tout ça, puis grâce, puis des journaux, grâce aux stats avancées, mais la façon qu'il l'amenait puis qu'il l'abordait, c'était toujours détestable. Oui, je dirais chacun a sa façon de l'amener, chacun a sa façon de l'analyser, chacun a sa façon de communiquer ses résultats. Je dirais pas qu'il y a une façon parfaite de le faire, ça n'existe pas.
Et chacun a le droit de le faire à sa façon aussi. Ceci étant dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les données qui sont disponibles, je dirais que ce n'est pas la meilleure façon de le faire, juste regarder les statistiques super poussées, parce qu'il y a tellement de facteurs qui, comme Pat disait tantôt, qui influencent le jeu, qui influencent de facteurs qui ne sont pas nécessairement non quantifiables, mais avec les données qu'on a présentement aujourd'hui, c'est difficile à le faire d'un œil public. Donc, c'est toujours garder. C'est de rester humble dans ton analyse aussi. C'est que c'est pas parfait, ce ne sera jamais parfait, mais d'essayer de pousser ça, d'essayer d'améliorer ça, c'est vraiment ça qui est important, de t'améliorer en tant qu'analyste, de t'améliorer en tant que statisticien. C'est vraiment les discussions que tu vas avoir avec différentes personnes qui vont te permettre. As-tu des ressources humbles qui vont être évidentes qu'on devrait. Oui. À part le meilleur qui est Hunter of Stats, t'en as-tu à nous proposer? Donc, moi, celles que je regarde vraiment souvent en termes publics, c'est Natural Stat Trick. C'est un site qui te donne pas mal toutes les statistiques live pendant les matchs. C'est super utile parce que tu peux aussi exporter ça en images, tu peux exporter ça en Excel, en CSV. C'est vraiment utile pour faire de l'analyse directement. Donc, moi, j'exporte ça pas mal. Souvent, quand je faisais mes stats sur le Canadien l'an dernier, j'exportais ça directement avec le time on ice, je le prenais de là directement et c'était vraiment simple. MoneyPuck aussi, c'est vraiment utile et c'est simple à regarder, c'est beau visuellement. Donc ça, eux aussi, ils font du super bon travail. Ça, c'est les sites qui sont gratuits et disponibles publiquement. MoneyPuck qui ont enlevé le Canadien des possibilités de faire les séries actuellement. Il y avait deux équipes qui n'avaient pas dans le graph, dont nous. On n'est même plus dans le graphique. Ensuite de ça, il y a Patrick Bacon, dont j'ai déjà mentionné le nom, qui fait du travail public. Je pense que son Twitter, c'est Top Down Hockey. Ouais. Son site tableau, c'est Top Down Hockey. Et lui aussi, il fait des modèles de Word. Donc, ça, c'est un des modèles de Word et c'est disponible gratuitement. Ensuite de ça, il y a des options qui sont plus payantes. Donc, en termes de modèles de Word, il y a HockeyViz. C'est pas des modèles de Word pur, mais sa méthodologie ou sa façon de penser est similaire à un modèle de Word. Pas dans le sens où il construit des modèles de Word, mais c'est basé sur les mêmes inputs que des modèles de Word. Donc, c'est pas vraiment des modèles de Word. Je pense qu'ils appellent ça le Magnus ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est les mêmes, c'est le même data interprété différemment. C'est ça, exactement. Okay. Evolving Wild aussi, c'est payant. Ils font des modèles de Word qui sont très, très bons. C'est eux qui avaient publié la méthodologie du Word sur Hockey Graphs. Et finalement, si on veut regarder des statistiques de prospect, il y a Byron Bader avec Hockey Prospecting. Qui fait des modèles de projection de points dans la Ligue nationale. Et ça aussi, c'est super intéressant. Ça aussi, c'est derrière un paywall, mais ça vaut la peine parce que c'est des modèles qui sont assez robustes, qui sont super bien construits et ça donne beaucoup d'informations avec toutes les données qui sont disponibles publiquement, évidemment. Excellent. On essaiera de les mettre sur notre Twitter quand on va faire le post ou dans notre YouTube. On va essayer de vous les mettre dans notre description là, pour que vous ayez tout accès à ça. Donc, Matt vient de s'engager à faire la liste. On travaillera là-dessus. Si tu peux m'envoyer ta liste, ça serait super. Mais honnêtement, je pense qu'on a quand même des bonnes bases. De plus en plus, on voit des beaux graphiques, des belles couleurs. Puis plus on va les suivre, plus on va s'habituer à ça. Il faut savoir que le Canadien s'en va vers cette tangente-là. Ça a été nommé, ça a été dit concrètement. Que de commencer à s'apprendre à voir ça, comme ça, on ne sera pas étranger au moment que les termes sont sortis, au moment qu'on parle de lui au niveau de ses zone entries ou goal, expected goals for. Mais là, commence à mettre des choses concrètes en tête. Là. J'aime ça. C'est le fun de se le faire communiquer par quelqu'un qui prétend pas avoir la vérité absolue aussi. Ça, j'apprécie vraiment ça. Il reste qu'il y a une certaine humilité dans la façon de Mike de l'apporter. Puis j'apprécie vraiment ça aussi. Là. Merci. Oui, c'est sûr que je ne sais pas à quel point le Canadien va publier ses stats parce que je pense qu'ils vont garder ça à l'interne. Ouais. Mais c'est sûr que je pense que les journalistes, de plus en plus, vont s'intéresser à ça aussi. Ils vont commencer à
peut-être pas poser des questions statistiques au coach, mais de plus en plus, leur analyse va être data-driven. À Seattle, par exemple, il y a des journalistes super compétents, super bons, des journalistes super bonnes aussi qui utilisent ça, les statistiques comme Allison Lucan, qui est vraiment bonne dans le data-driven storytelling. Donc, de plus en plus, je pense qu'au niveau des journalistes, ça va être une tendance qui va s'amplifier. Et au niveau des broadcasts aussi, je pense que Marc Denis le fait très bien. Marc Denis, c'est exactement le nom que j'allais dire, qui commence à intégrer ça là, au niveau de ses broadcasts. C'est vraiment intéressant. Là. Ouais, je pense que c'était immanquable. Il va falloir l'entendre plus dans les prochains temps, je pense, parce que si le Canadien s'en va vers cette tangente-là, bien, on doit nous en informer de qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'il publie ou non. Hein. Pourquoi on s'en va dans telle direction. Je pense que ça va être intéressant à voir là, pour la suite. Puis que le Canadien publie ou non ses statistiques avancées, je pense que sachant que ça fait partie du decision-making, on va avoir plus d'intérêt là-dessus, même s'il en parle ou pas, finalement. Oui, c'est, moi, en tant qu'amateur, je pense que c'est super cool parce que les anciens dirigeants, ils faisaient un peu de statistiques de ce que j'ai entendu. C'était pas vraiment centralisé dans une équipe statistique. Je sais qu'il y a certains membres de l'organisation qui utilisaient ça, mais de vraiment centraliser ça avec une équipe dédiée, moi, je dirais entre 4 et 7 personnes, ce serait idéal, avec comme un bon directeur de l'analyse de données. Ce serait super pour pouvoir permettre au futur GM d'avoir toutes les informations disponibles et d'avoir le plus grand nombre d'informations, que ce soit des informations quantitatives et des informations qualitatives, pour pouvoir s'assurer de prendre les bonnes décisions. Parce que prendre des décisions au hockey, c'est pas la chose la plus facile, surtout dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr qu'avoir le plus grand nombre d'informations possible et l'information la plus précise possible, c'est vraiment ça qui va permettre aux équipes de s'améliorer dans le futur. Excellent. J'aime vraiment ça, honnêtement. Là, vraiment intéressant. Yep. Vite, on va closer là-dessus. Si tu peux nous donner tes deux joueurs coup de cœur côté stats avancées, que si les Canadiens avaient la chance d'aller chercher, t'en as-tu un ou deux là, qui te viennent en tête? C'est Victor Mété et qui d'autre? Quelles sont tes perles que actuellement tu aurais un œil dessus? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. C'est pas de dépourvu, hein, mais je ne pouvais pas tout te donner cul dans le bec dans notre... Présentement, je dirais de ne pas aller chercher personne et de reconstruire. C'est une bonne réponse. Aujourd'hui. Que ce soit qu'ils appellent ça un retool, un rebuild, ça me dérange pas. Je suis d'accord. Touche pas à ça. Je n'irai pas chercher un joueur aujourd'hui. Laisse le bateau couler complètement. Là. J'ai pas dit que t'es nécessairement le GM des Canadiens. Tu sais, t'es un GM dans la ligue, tu as un joueur à aller chercher. Qui c'est que tu aimerais aller chercher? Moi, j'irais chercher Brett Kulak comme défenseur 5 ou 6. L'an dernier, la façon dont il faisait ses jeux de transition, la façon dont il était efficace sur la transition, en tant que défenseur 5-6 sur une équipe qui veut aspirer aux grands honneurs, tout ce que tu lui dis, c'est d'aller sur la glace, de prendre la rondelle, de l'amener en haut zone, de jouer un peu en haut zone, parce qu'il va être capable de le faire au niveau de la transition. Donc. Ensuite de ça, le problème avec Brett Kulak, c'est assez similaire à Victor Mété, dans le sens où quand il arrive devant net, il n'arrive pas à box-out les joueurs adverses, mais il n'y a pas beaucoup de chances de marquer dangereuse contre lui non plus. Et d'une certaine façon, c'est la même chose pour Victor Mété. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont... ce n'est pas les joueurs les plus efficaces devant le net. Ils ont pas beaucoup de chances de marquer dangereuses contre eux. Donc, ça vient d'une certaine façon avec leur façon de défendre le rush, avec leur entry denial, avec leur façon d'arrêter les joueurs à la ligne bleue ou d'arrêter les joueurs plutôt que devant le net. Donc, moi, personnellement, aller chercher Brett Kulak comme joueur 5-6, ça, en tant que GM, ou même un défenseur 7, ça serait excellent parce que tu as une bonne police d'assurance. Ce n'est pas un défenseur 3, mais ça, comme défenseur 5-7, 5 à 7, ce serait excellent pour... Sans nous dire que tu ne veux pas aller le chercher, ça demeure un de tes intouchables si jamais on fait des moves. Ouais, ben un de mes intouchables... Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? D'un certain niveau, non, parce qu'il y a des équipes qui seraient peut-être prêtes à donner des assets. Donc... Si on est capable de le sell high, je le donnerais. Mais
Je pense, je ne sais pas à quel point il va pouvoir soutenir son niveau au fil du temps non plus, parce qu'il est plus jeune. Là. On ne l'a pas utilisé beaucoup sur des longues périodes non plus, fait que c'est dur d'évaluer ça. C'est un bon point. Oui, mais ce qu'il avait fait l'an dernier sur ses matchs dans lesquels il avait joué, c'était assez intéressant. Sûr, il y avait des matchs plus difficiles que d'autres, mais je pense que Brett Kulak, pour moi, c'est un exemple de joueur qui est statistiquement bon, qui pourrait être un bon depth player. All right. Hey, Michael, merci beaucoup. J'ai adoré, Michael. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Merci de m'avoir invité encore. C'est super cool. Et je suis très content d'avoir pu participer. Merci à toi. Puis peut-être à un moment donné, on pourra peut-être rentrer plus en détail, justement. On fait une petite introduction pour moi puis Matt. C'est assez nouveau tout ça. Peut-être digérer un peu toute cette information-là, puis te revoir dans quelques semaines, dans quelques mois, quelque chose pour approfondir nos connaissances un peu. On va commencer à familiariser nos yeux aussi avec les stats avancées, commencer à regarder un peu plus ça. Moi, je ne veux pas être en arrière de la parade là, quand tout le monde va commencer à parler de ça. Fait que, en taillant un gros merci, Mike, ça nous met déjà dans le bain. Puis en espérant vraiment qu'on puisse faire une adéquation entre notre eye test et les stats avancées pour avoir quelque chose d'encore concret au niveau de notre analyse des Canadiens, principalement le pilote. C'est bon. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi.